Bonsoir à tous, ici Alphan de la chaîne Calcul Gasset pour cette nouvelle vidéo sur HEI4. Donc, nous allons reprendre là où on était, donc, toujours avec la France. Donc, la guerre civile espagnole donc, sur trois fronts, donc, avec les anarchistes, les républicains et l'Espagne nationaliste. Avec la France, on était parti sur une France royaliste, donc, avec la révision de la constitution française. Donc, c'est Revised Constitution en anglais, parce qu'ils sont toujours en anglais. Et ensuite, pour faire ça, il faudra attendre un an. Et on choisira ensuite qu'est-ce qu'on va prendre. Comme voix monarchiste. Et on avait commencé à faire des opérations. Hop. En Allemagne. Bien. Comme c'est Meister, non. Pas d'allié, de toute façon, je ne pourrai pas le faire. Hop. On revient ici tranquillement. On revient sur les armées et on reprend. Donc j'ai mis quelques modes, on verra ça en cours de partie, notamment un mode qui change le skin des journaux qui apparaissent. Donc au lieu d'avoir World News, on aura un journal français qui va apparaître, donc ça sera un peu la surprise. L'Aube par exemple, voilà un journal français. Et donc Italie, l'Autriche et l'Hongrie qui sont alliés, pourquoi pas. Donc l'Allemagne qui devra faire la même chose par la force. Ça c'est le chinois et le japonais. Et le tien. Je prends la stabilité parce qu'on est 17%, donc il faut augmenter un peu. Des choses qu'on peut faire. On va prendre un espion en Angleterre, tiens. Non, en Italie. Non, pas encore. Okay. Bon, on va attendre d'avoir 150 points et on verra ce qu'on peut faire à ce moment-là pour des avions qui se terminent. Ensuite, les avions, on verra ça après. Le scope plane qui est terminé. Là, c'est en cours. On va faire la détection radio et un peu d'industrie. Hop, ça a des bonus, super. Bien, on va attendre. Donc bien le mode pour le moment, voilà, me plaît toujours, enfin j'espère que vous aussi. Enfin le mode, la version. On peut jouer en parallèle et franchement c'est vraiment cool. On peut avoir jusqu'à 10 espions, on peut avoir des foutages de cryptage. Non, je vais pas les aider parce que j'ai pas envie de me dire si chez moi aussi. Et les carlistes, donc les royalistes espagnols qui sont entrés sur le terrain. Les espagnols, j'ai pas envie de rentrer dans le conflit, ma stabilité est trop basse. Ouais, effectivement, sur 4 fronts, maintenant ça commence à devenir très, très compliqué pour suivre un peu tout ça. Il verra bien qui va gagner, qui va perdre dans cette nouvelle. Cette nouvelle Espagne. Bon, je vois sur les royalistes, mais est-ce qu'ils pourront gagner? Ça, c'est un autre souci. Mais est-ce qu'il y a de dire en attendant? Machu chez voir. Ok. Donc le Japon qui a une guerre contre la Chine. Oui, c'est mon chat qui fait des siennes, ne inquiétez pas. Il aime bien marcher sur mon bureau.
Je voulais la monter dans le garage ainsi, il fait. Différents pays chinois qui commencent à se petit à petit à s'unifier contre le Japon. Sûrement. Donc 150 alors que ça peut prendre pour pas gagner de masse. Ça, ah, le CBI, tiens. Bah, je pense que ça tient. Ah, mais non, mais un peu, ça me fait réaliser, je peux pas. Dommage. Pour prendre un deuxième. Oh. Ah non, j'ai pas encore pris. Bah, on prendra lui, alors. Pour avoir les sions en plus. Allez, sûr qu'on va surtout, enfin sûrement envoyer en Italie d'ailleurs. Hop. Donc là, il y a un espion, voilà, qui est en cours de recrutement. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? On va prendre le Naval Department. Hop. Là, on a 40%, c'est même 50%. On va attendre. Peut-être qu'on verra une évolution avec une pression en Allemagne. En attendant, on verra bien. On le laissera à la maison. Enfin, on verra bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Pop. Ah, Amelia tire aussi sur tout le monde. Très bien. Donc elle peut échouer comme elle peut réussir. Comme ça. Dans le jeu, et là elle a réussi. Donc les États-Unis qui pourront la récupérer en tant que pilote de combat de leur armée au cas où. Maintenant avec la Russie entre les mains. On va prendre l'espace industrie. Le jour pour l'action, très bien. Là, ça avance tranquillement. Les carlistes qui avancent. Hein. Les carlistes qui avancent. Qui partent sur quoi? Et les nationalistes, l'Espagne prochaine qui font de nouvelles unités sur nous. Oh, donc la sécurité qui aura remonté, voilà. Et on va prendre, je suis jeune fou, j'imagine on peut prendre que ça. Non, ça va donner du fascisme. On va prendre ça alors. Ça donne quoi? On va prendre là, là et là après. Ah, mon chat qui. Je sais pas si vous entendez, mon chat qui dit bonjour. Du Potter. Oui, il s'appelle Potter, mon petit chat. En honneur de Harry. On va déjà la construction. Est-ce qu'on peut envoyer des troupes? Non, on peut pas, c'est vrai que je. C'est la feuille que l'intérieur de la guerre. Bah, c'est pas grave. On va prendre un agent italien. Ouais, on va prendre lui. 55 pour. Et bon, on va faire effectuate army, hop, elle, et lui, voilà. Sauf ça, on aura des
pour plus d'informations sur l'armée allemande. Ça sera toujours ça de prix. Sachant que les opérations, elles réussissent quasiment toujours. Mais c'est juste les missions, eux, qui peuvent être capturés, qui peuvent être forcés à l'exil ou revenir sains et saufs des missions. Et donc s'ils sont capturés, il fallait les récupérer avec une mission spéciale. S'ils sont forcés à l'exil, bah, on les perd temporairement et ils reviennent. Mais sinon, bah, on peut les récupérer, les renvoyer, soit refaire un réseau, soit en mission, soit à la maison pour le contre-espionnage. Et on va voir en Asie, est-ce que ça en est. Ça avance la guerre qui vient de commencer. Ok, il faudra voir de temps en temps. Et en Espagne, les carlistes tiennent toujours. Les factions espagnoles qui sont toujours en guerre. Hop. 70 jours, bon, on va faire ça. On va aller des loopings, ça. Hop, ça va faire un peu de fascisme, c'est pas grave. Voilà, remonter un peu en stabilité, mais c'est pas. C'est pas ça encore. Hitler qui a gagné en Espagne, c'est assez équilibré. On verra bien. Oui, j'ai le mode alternatif à Decisions, mais il bug un peu au niveau du nom du pays. Donc, malheureusement, on ne pourra pas l'utiliser pour cette partie. À moins qu'il y ait un patch qui sorte. Donc c'est bon, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un mode qui permet de changer le drapeau. Et suivant le parti politique qu'on a, on a différents drapeaux en fait. Donc là pour la France républicaine, on a ces drapeaux-là. Donc on a un drapeau avec une espèce de fleur de lys. Un drapeau avec le sol de la République, un drapeau militaire. Et puis deux drapeaux avec les couleurs inversées. Et malheureusement, si on clique, ça va être peut-être un peu bizarre. Je vais pas le faire dans cette partie. Plus de divisions à la frontière allemande avec une. Hop. 51 jours pour la mission, très bien. Oh, mon chat qui veut sortir, mais là je. Malheureusement, il va devoir attendre. Il vient. Mon chat qui baille un violon, ça fait un petit combo. Et en attendant, bien la guerre civile espagnole est toujours là. Et la guerre.
Japon, enfin en Chine plutôt, qui avance. Hein. Mais du coup contre Shaanxi, et puis le Japon contre la Chine. Ça va prendre après. Ah, ça arrive, les fichages économiques, mais ça coûte ça. Ah, la construction est terminée. Ah, prendre. Et là, on va prendre. Qu'est-ce qu'on va prendre? Promote entrepreneurship, ouais, on va prendre ça. Pour avoir un peu de vitesse de construction en plus. Petit bug, c'est bien ça pourtant. Mais là, ça fait ici. Moi, j'ai pas été pire avec les fichiers d'économie. Pourquoi j'ai toujours bizarre, ce sera un deuxième. Bon, je sais pas, c'est bizarre. Peut-être qu'il va disparaître après. Bon, on va voir. Petit bug, bien, en attendant, 118, faire des choses ou pas. Non, spécial. Non, ça on va pas le faire, on est trop bien habité, on va pas être fasciste. Ça fait 3 minutes de francs, très bien. Ouais, il faudra que j'arrête de faire les unités parce que j'ai plus beaucoup de manpower. Les tiralistes qui ont annexé l'Espagne républicaine, très bien. On va passer à deux pour le moment. Hop. Ça va gagner un peu de pouvoir. Et les carrés, c'est pas gagné. Je prends ma logo qui avance à Shaanxi. Qui avance pas tellement en Chine d'ailleurs. On verra ce qu'on peut prendre. Valet de ligne, non, on va attendre un peu.
l'Angleterre qui fait ses bails en Grèce. Pourquoi pas? Ah, voilà, un agent qui a été capturé en Allemagne. Ça arrive. On a le problème. Ah, compliqué, d'accord, il y en a un qui a été capturé. Va falloir aller le récupérer. Hop, on va refaire un réseau. Le mec qui sera à 30%, on pourra lancer l'opération de secours. On va prendre lui, ouais. Pour avoir plus de rapidement des usines militaires. Donc ça va prendre un peu de temps pour remonter, mais on verra bien. D'ici peut-être un mois de game, on pourra lancer l'opération. Et on pourra récupérer le récipient. Alors, passe à 1%, très bien. Après, on va prendre ça. Ouais. La quête dynamisme, très bien. On a la faux Interaction Spain. Là, il faut quoi? Là, il faut le parti à gauche. Ouais. Ok. Oh, ça, je verrai si je le prends ou pas. Pour venir le groupe délicariste ou pas. Ok. Et hop. Voilà, on a sur les écrans de base. Je pense qu'on va attendre que ça se termine. Ah tiens, mon chat qui va rendre visite, salut toi. Oui, tu veux sortir après, t'inquiète pas. Oui, mon chat qui sait se faire respecter malheureusement. J'avais tenté de voir ce que ça va faire. J'espère que ça va pas siphonner ma stabilité. Et qu'on va pas se retrouver avec l'IRC sur les bras. Encore c'est fan de l'infanterie, enfin des mitrailleuses. On va voir ce que ça donne, on va s'arrêter là je pense. Et au niveau des espions, 20%, ok. Ça avance petit à petit.
partir si on était annexé. Donc l'Espagne ne partira pas, ne partira pas monarchiste. Qui je vais aider du coup? Bonne question. Peut-être le fasciste, je pense. À défaut. Ça dépend de ce qu'on peut faire surtout. On a 27%, ça avance souvent. Ah, on n'a pas recruté un espion. Ce qu'on va prendre un espion en Angleterre, tiens. Oui, j'arrive. Oh, l'opération finie. Et on va prendre 3. Hop. Voilà. Bien, bien, donc la guerre en Espagne qui continue entre les nationalistes et les anarchistes. Et en Chine ça avance tranquillement. Je pense aussi qu'il se fait attaquer par le Japon. Et la Chine qui se fait commence à se faire déborder petit à petit, ouais, par le Japon aussi. Alors, Chine Spain. On va voir ce qu'on peut faire. Et on peut faire des bouffées pour ça. On gagne des corps. Je m'aime pas. Ok. D'accord, c'est pour faire l'Union française. Pour démanteler les colonies en Afrique. On va pas le faire pour le moment alors. Hop, on va lancer le... Ah, j'ai dit que j'avais lancé le heavy ship. Voilà. C'est ça qu'on m'a proposé pour l'Espagne. Là, on va prendre l'autre. Voilà. Les équipements d'infanterie. Et est-ce qu'on peut intervenir ou pas? Non, toujours pas. Bon, bizarre. Que les nationalistes sont en train de gagner. Hein. Ce sera de gagner et nous je pense qu'on va s'arrêter là pour cette partie. C'est bien, je vous dis à tous, à bientôt. N'oubliez pas de, comme d'habitude, de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. À la chose, bye bye.